Mesdames et messieurs, bonsoir. La télévision de Dan Arménie Occidentale vous présente les nouvelles de jour. Voici le principal chapitre d'aujourd'hui. Il neige sur Stepanakert, Lorraine, Sero. Faisons connaissance avec l'Arménie Occidentale, Kamar. Bakou doit indemniser environ 5 milliards de dollars pour les personnes qui ont été déportées de Bakou seulement. Ne pas utiliser le problème des Arméniens vivant en Azerbaïdjan n'est pas seulement une erreur, mais aussi un crime grigoli alvazien. La situation humanitaire en Artsakh sera discutée lors de la session plénière du 18 janvier du Parlement européen politique. Les DDH d'Arménie et d'Artsakh ont publié un rapport d'urgence actualisé sur les conséquences humanitaires du blocage du corridor de Berzor, la protestation de la communauté arménienne de Rojava contre le blocus de l'Artsakh. Ils enseigneront le duduk arménien Badak à l'Université de Californie. Au peuple d'Artsakh qui résiste avec un courage et une dignité qui force le respect. Il neige sur Stepanakert, une myriade de flocons, comme autant de blancs papillons. Il neige sur Stepanakert, ce de manteau pense la terre, recouvrant les mornes frontières, d'une prison au ciel offerte. Il neige sur Stepanakert, à quoi rêvent les habitants, sinon d'une paix essentielle, mais qu'une trêve de Noël, que l'or fut refusée pourtant. Il neige sur Stepanakert, Lorraine Sero, 9 janvier 2023. Le village de Kamar en Arménie occidentale était autrefois une forteresse nommée Ani. Il est également appelé forteresse, ville forteresse. Certains considèrent que le nom Ani est dérivé du nom de la déesse Anahit, dont le culte était répandu dans l'Arménie antique. À partir des 12 à 13e siècle, la forteresse d'Ani n'est plus mentionnée, rebaptisée Kamar, qui s'appelait aussi Ani Kamar pour la distinguer de la capitale Ani. Il existe également différentes versions sur l'origine et la signification du nom Kamar. Kamar est situé sur la rive gauche de Prat occidental, à 42-44 km au sud-ouest de la ville de Yelzinka sur la montagne. Au siècle 4 à 1, Ani Kamar était le centre de la petite Arménie à rejoindre la Grande Arménie sous le règne de Tigran II en l'an 66 avant Jésus-Christ. Plus tard, c'était la forteresse principale et le centre de la région de Dalanari du monde de la Grande Arménie. Ani Kamar a d'abord été connue dans l'histoire de notre peuple comme l'une des célèbres forteresses des rois Artachésien et Arshakuni. Certains de leurs trésors royaux y étaient conservés. Le cimetière des rois Arshakuni était également situé à Ani Kamar. Le trésor d'Ani Kamar fut pillé en 369 par les troupes perses qui envahirent l'Arménie sous la direction de Shapur II. Au 19e et 20e siècle, Kamar était un lieu d'habitation provinciale ordinaire en 1872 à 1873. Elle comptait 2000 résidents arméniens et turcs. Au début du 20e siècle, sa population atteignait 15 000 personnes, dont environ la moitié étaient des Arméniens. En 1915, après le grand génocide, il n'y avait plus d'Arméniens. Seulement 2 à 3 ans plus tard, seuls 100 exilés arméniens de Kamar ont été réinstallés dans leur ville natale. Le 13 janvier a marqué la 33e commémoration du génocide des Arméniens à Bakou. À cet égard, Grigori Ayvazian, le président de l'Assemblée des Arméniens vivant en Azerbaïdjan, a répondu à la question dans une interview à la Ragireye. Combien de personnes ont émigré d'Azerbaïdjan et quels dommages matériels ont été calculés? Selon les chiffres officiels, environ 500 000 personnes ont émigré d'Azerbaïdjan à la suite des pogroms, mais le nombre non officiel est plus. 500 000 personnes ont émigré de Bakou, mais selon les chiffres officiels seulement, 250 000 personnes auraient émigré de Bakou. L'Azerbaïdjan doit indemniser environ 5 milliards de dollars pour les personnes qui ont été expulsées de Bakou. Si Aliyev dit maintenant au peuple d'Artsakh que nous ouvrirons la voie à quiconque ne se considère pas comme citoyen azerbaïdjanais pour qu'il quitte l'Artsakh, qu'il se souvienne d'abord du sort des résidents arméniens de Bakou. Quand il parle de Sunik, est-il prêt à compenser ou à accepter ces gens à Bakou? L'Arménie occidentale évalue positivement une telle initiative qui a amené organisme de dissuasion pour l'Azerbaïdjan et ajoute que les Arméniens de Bakou et des villes voisines ont été victimes de dépossession et de génocide. Après cela, l'Azerbaïdjan s'est enlisé près des Arméniens, a commis un génocide culturel dans différentes régions habitées par les Arméniens. Un débat d'urgence intitulé « Conséquences humanitaires du blocus en Artsakh » a été inscrit à l'ordre du jour de la session plénière du 18 janvier du Parlement européen. Armin Press l'a appris sur le site du Parlement européen. Lors du débat prévu avec les organes exécutifs de l'Union européenne, les membres du Parlement européen prononceront des discours et voteront sur la question de l'adoption de résolutions urgentes développées sur le même sujet. Depuis le 12 décembre, plusieurs membres du Parlement européen ont déjà répondu au blocage du corridor de Berzor par l'Azerbaïdjan et à la crise humanitaire qui en résultait, notamment sous la forme de lettres et de questions parlementaires adressées aux organes exécutifs de l'UE.
Les institutions de défenseurs des droits humains d'Arménie et d'Artsakh ont publié un rapport extraordinaire sur les conséquences humanitaires du blocage de la route de Berzor, avec des données récemment mises à jour au 13 janvier 2023. Dans le rapport, les défenseurs ont fait référence à la réaction des structures internationales, des personnalités et des médias à la question de la route de Berzor, aux déclarations provocatrices de hauts fonctionnaires et de personnalités publiques d'Azerbaïdjan concernant le blocus de la route de Berzor, au signe continu de nettoyage ethnique par d'autres responsables azerbaïdjanais, la crise humanitaire provoquée par le blocus, l'action des éco-militants aux nouvelles données justifiant le caractère faible de ces actions, ainsi que le lien direct des personnes qui ont illégalement bloqué la route avec le gouvernement azerbaïdjanais. Le rapport évoque également les droits de libre circulation de la population, garantissant un niveau de vie suffisant, l'accès à la nourriture, aux soins de santé, ainsi que la violation des droits des enfants. Dans différentes sections du rapport, les violations des droits ont été analysées selon les principes et les normes de droit international des droits de l'homme et du droit humanitaire. Le 2 janvier 2023, des membres de la communauté arménienne ont organisé une marche contre le blocus de l'Artsakh à Artsakh et Rojava. Condamnant le blocus de l'Artsakh, ils ont lancé le slogan non à l'occupation de l'Azerbaïdjan. Nous sommes tout l'Artsakh. Outre les unions arméniennes de Derzor et de Kamishli, des combattants du bataillon martyr de Barozanian et des membres de l'Union des femmes arméniennes ont pris part à la marche. Au cours de la marche, le coprésident de l'Union arménienne Kamishli Gohar Khachaturian, le coprésident de l'Union arménienne Haseke Ima Tatarian et le coprésident de l'Union arménienne Rojava Arep Kasabian ont pris la parole. Gohar Khachaturian a déclaré dans son discours « L'État turc veut continuer le génocide commis il y a 108 ans. Tous les enfants du monde ont célébré Noël avec de beaux vêtements et de la bonne nourriture, mais les enfants d'Artsakh ne pouvaient pas faire cela. Nous continuerons à lutter contre le blocus et l'occupation de l'Artsakh. » Ima Tatarian, coprésident de l'Union arménienne de Haseke, a déclaré dans son discours l'État azerbaïdjanais veut perpétrer des massacres contre les Arméniens en Artsakh avec le soutien de la Turquie. Nous, les Arméniens vivant au Rojava, n'acceptons pas les crimes contre l'humanité en Artsakh. Nous sommes au Artsakh. Arev Kasabian, président de l'Union arménienne de Rojava, a mentionné dans son discours. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour condamner l'occupation de l'Artsakh par l'Azerbaïdjan. L'Artsakh est assiégé. Les organisations internationales et tous les pays du monde se taisent devant cette situation. Le programme du génocide de 108 ans se poursuit aujourd'hui. Comme l'a annoncé le talentueux joueur de Doudouk Emmanuel Hovhannissian sur sa page Facebook, à partir d'aujourd'hui, la classe de Doudouk arménien fonctionnera dans le département arménien de l'Université de Californie à Los Angeles. Le joueur de Doudouk a écrit « Je pense que c'est une grande réussite, non seulement pour l'instrument de musique de bleu arménienne, le bleu, mais aussi une réalisation importante pour nous tous. Je veux exprimer ma gratitude à toutes les personnes qui ont soutenu à tous ceux qui ont fait de cet événement important de la possibilité de diffuser la culture arménienne aux réalités. Je crois que mes prochaines étapes contribueront au fait que la culture arménienne sera à nouveau présentée comme elle le mérite dans l'une des universités les plus importantes du monde. » Merci de votre fidélité. À la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniens. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Mm-hmm.